Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft. Encore! On y retourne, c'est parti! Est-ce que l'on trouve une rapidement ou pas? 21 secondes, ça va être long à meubler, chers amis, surtout que je ne peux pas aller voir les différents robots. Vous pouvez voir qu'il y a un robot mystérieux, d'ailleurs complètement floué, hein. C'est pas moi, hein. C'est le jeu, mais il est complètement floué. Il a été vendu près de 600 fois, ce qui n'est tout à fait pas si mal. C'est un des fameux piranhas. Donc les piranhas, c'est un des types de robots que nous avons pu voir donc dans le précédent épisode. Vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble plus ou moins les piranhas. En gros, c'est la forme avant qui ressemble à une tête de piranha. C'est-à-dire que c'est un C complet, comme ça. Et vous allez voir, c'est assez effilé. Et celui-ci est un piranha apparemment particulier. Apparemment, c'est le meilleur, hein, d'après ce qui est noté. Hein. C'est-à-dire qu'il a deux shotguns. Et vous m'avez demandé de faire des parties avec des shotguns récemment. Du coup, je vais le faire, chers amis. Laissez-moi un tout petit peu de temps. Ok, bon. On va bien voir, hein. Ça se trouve, ça n'a pas été efficace du tout. Ça se trouve, ça n'a pas été efficace du tout. Mais on verra, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on va voir. On va donner des coups de shotgun, des coups de fusil à pompe, et on verra si c'est efficace. Franchement, je pense que ça peut faire très très mal. Je pense que ça peut faire atrocement mal. Il n'y aura pas d'invisible de notre côté, donc il n'y en aura pas non plus. Ah si, il y aura... Ah, il y a un autre piranha en face! Et moi, mon piranha, il en a pas! Par contre, il peut tirer plein de fois avec son shotgun, vu que j'ai que 1000 de prix. C'est là qu'est tout l'intérêt, chers amis. Réfléchissez-y un petit peu. Est-ce que la partie va démarrer? Est-ce que Malicia, qui semble être française, d'après le drapeau qui est derrière... Je dis elle, hein, parce que Malicia, pour moi, c'est un personnage de X-Men. Oui, on va réussir à rentrer dans la partie, ça y est. Ok, on y est. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est stylé. On est parti. Alors, je ne sais pas, cela dit, je crois que celui-là, j'aurais peut-être dû le mettre en tilt lui aussi. J'aurais peut-être dû. C'était pas marqué. Et je m'attendais à un peu moins lent, honnêtement. You're simply the best. Ouais, je risque pas de faire des dégâts avec ça. Hein. Ah, je fais pas de dégâts. Ok, on l'a eu, c'est tout ce qui compte. Salut Malicia, je reconnais ton drapeau. Alors je sais, excuse-moi, je sais qu'il y a un ennemi. Merde, il y a un ennemi là-bas. Je sais que j'en ai vu un monter aussi par là. Oh, il grimpe. Non. Il grimpe. Il grimpe, le sac. Le sac. Ok, on est parti. On est parti, on est au taquet. On bourre pour avancer. On passe par derrière l'ennemi. Crac. T'es sûr de toi? T'es sérieux? C'est physiquement pas possible! C'est physiquement pas possible! Si je te mets un flingue. Si je te mets, imaginons. Une mèche de dynamite sous le coude au niveau de l'aisselle. C'est pas en te brûlant l'épaule que tu vas allumer la dynamite, hein, normalement. Hein, c'est. Physiquement, c'est pas possible. Spotter les ennemis, hein, que je sache à peu près sur quoi tirer, merde. J'arrive. Voilà, problème résolu. Coco, on se connaît, toi et moi, je crois. Hein. Toi aussi, on se connaît, hein. Ok. Oh, j'ai pas eu le temps de tirer, quel dommage. J'ai pas eu le temps de tirer. Ça fait mal de se bouffer une lame. Tu dois te sentir seul. C'est quoi ce truc? C'est très très moche. Et apparemment ça marche, parce que ça fonctionne. Je sais pas si il marche. Boum! Mais finis-le! Finis-le!
Ok, on l'a eu. Aide-moi! Aide-moi! Voilà, c'est bon, on l'a eu. Ok. Enfin bon, là n'empêche pas l'autre, tu peux m'aider. Merci. Ok, on y retourne. On y retourne, on y retourne, on y retourne, pardon, on y recourne. Ouah! C'est quoi cette arme? Ça fait un bruit de shotgun! C'est parce qu'il a deux petits shotguns en fait, chers amis. Ok. Got you! Gotcha! Gotcha! Je t'ai eu! Ok, on essaie de reprendre la tour. On essaie de reprendre la tour où on shotgunise la tour. Non, marche pas. Je peux essayer, mais ça marche pas des masses. Ennemi! Poupidoupidou, personne me voit. Poupidoupidou, tout le monde me rate. Ah! Oh, j'ai été rect! Il y avait un invisible dans le coin. Ah bah je me disais bien. Oui, oh c'est stylé, remarque. Je veux bien reconnaître que c'est stylé. Par contre oui, en termes d'efficacité, d'après être top. J'ai vraiment pas de bol en termes de copains là ou quoi? En fait j'aimerais qu'on m'explique un petit peu hein, c'est. Bah, je peux comprendre que vous êtes nouveau, mais je comprends pas que le jeu dise fasse ça comme ça quoi. Par contre j'ai vraiment besoin d'un coup de main les filles. Tu fais quoi, Malicia? Tu... Wouah! Malicia s'est dit, je vais arrêter de jouer. Malicia? Tu vas jouer ou tu vas attendre que ça passe? It's you and I. Are you 1308? Je suis 1308. Effectivement. Comment... Comment l'as-tu su? Comment as-tu pu deviner mon plus grand secret? Enfin dévoilé! Je suis une 1308. Pourquoi une? Aucune idée. Attendez, il va peut-être venir lui. Toute la puissance dans les moteurs! Ok. Il a rien vu du tout. Que dalle, nada. Par contre, je suis le meilleur de mon équipe. Oui, effectivement, pas de beaucoup, mais je le suis. Et cela m'embête. Oups. Aïe. France. France, viens-tu? Coucou, France. Il est trop loin. Il est trop loin, mais il s'est pas visé! Ah, moi non plus! Moi je suis trop loin du coup aussi. T'es mauvais! Mion! Ah, par contre, il est pas trop mauvais non plus, hein. Enfin, je veux dire, il a quelques heures de vol, comme on dit, hein. Et que quelques heures. Est-ce que quelqu'un pourrait s'occuper de cet abruti ou de ces abrutis? Parce que je ne suis plus qu'une brique. Je ne suis même plus une. Je suis en brique, littéralement. Bon, ce n'est pas grave. C'est quand même drôlement moche, hein. Et à part
middle fusion tower is under attack. T'as été peut-être dans mon équipe, Révo, mais... Oh non! J'ai été spotted! J'ai pas réussi à le tuer. Dommage. C'est pas grave, on va perdre. On va perdre, chers amis. Ce sera la première, ce sera un épisode sur 4 littéralement de perdu. Hein. C'est un bon ratio en soi, mais c'est vrai que là pour le coup j'ai pas. Regardez-moi les robots que je me tape. Regardez ça là devant, là le truc jaune. Comment voulez-vous que ça soit efficace? Même Vulcano, ça peut pas être efficace. Ok. C'est histoire d'être sûr qu'il régène pas en fait, chers amis. C'est pour ça que je tiens. Ok, je l'ai eu. Ah, je peux pas tout faire. Hein. Je peux pas être partout, moi. Ok. Je préfère m'enfuir de celui-là. Oh la vache, c'est pas vraiment une fuite. Oui! Esquive, motherfuckers! Non, tu ne meuras pas. Non, j'ai dit non. J'ai dit non. Merde, il va m'avoir. Motherfucker! Mais aide-moi plutôt que de regarder ton propre. Ah, mais non, mais bon. Dégage! Mais qu'il est con. What? Lookez bien cette balle. Ok, donc en fait ils ont deux... Alors, l'équipe en face joue avec deux Tesla. Cesse! Cesse, tu me ralentis. Et de 1. Et de 2. Viens voir papa. Allez, viens. Ok. Secret hamburger, hein. Repasser par là qu'on rigole deux secondes. Hop, voilà. Ça c'est fait, désolé pour le hop chers amis hein. Je les ai entendus, je vais attendre qu'ils passent. Crac, j'ai été spotted. Autrement dit, pour le coup ça ne vaut plus rien. Sauf si je peux faire moult dégâts sur le truc. Ce qui serait. Ça c'est pour ma gueule. Ah je l'ai cherché. Salaud. Pourriture de rebelle. C'est dommage hein, quand même. Hein. C'est dommage, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Mais enfin, là l'équilibrage... Non, je vais pas en parler. C'est juste l'équilibrage qui est massif. On se retrouve avec des joueurs qui n'ont pratiquement pas de cube sur leur robot quoi.
Regardez, il y a lui, qui est pas trop mal, qui est un robot qui est pas trop trop mal, mais apparemment, visuellement en tout cas. Et regardez là-bas, le petit robot, regardez ça là aussi, il y a qu'une seule arme. Enfin, là, le jeu fait qu'on est, on est baisé dès le départ. Tu croyais quoi, sérieusement? Tu croyais quoi, sérieusement? Ok, lui on l'a eu. Au suivant. Pourtant je spot, hein. On peut pas dire que je fais pas mon boulot, hein. Arrêtez d'en avoir peur! Arrêtez d'en avoir peur! Crac! Ok. Ok. Si je peux avoir Revo. T'es sérieux là? Ça vole ton truc? Oh la gueule. J'essaie de chercher des déformations mais je le vois pas. Lui me voit, hein, il me troll. Il est pas arrivé. Oh la gueule. Mais c'est quoi son robot là, son petit machin qui, une fois même en cube, il arrive encore à... Eh, je peux avoir du coup de main là? Non. Hop. Mais putain, mais arrêtez! C'est débile, regardez ça, regardez, 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 il fait zéro dégâts et il le sait, hein. Il vise même pas les points d'emport, quoi. Si, je sais pas, j'ai pas l'impression, si, apparemment si. Bon, c'est déjà ça. Enfin bon, on va pas survivre assez longtemps, hein. Monsieur Carejo, je sais pas ce que tu... Il y avait quelque chose, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête. Ok, bon bah c'est pas grave. Bon bah c'est une défaite, les amis, c'est tout. C'est pas grave. Bon bah hop. C'est dommage, chers amis. J'étais bien content de pouvoir faire des parties de Robocraft. Là, pour le coup, ça marchait bien. Ça matchait entre Robocraft et moi. Mais là, pour le coup, ça s'est arrêté. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, je pense que ce robot n'est loin. Est loin d'être mauvais, tout simplement. Donc, on va le garder, chers amis. Vous inquiétez pas. En tout cas, moi, les amis, je vous retrouve dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, tout simplement. Salut les gens et yop!